J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour vous proposer une action qui me tient à cœur, qui a été lancée par Gallipoli Fabrique. La Gallipoli Fabrique, c'est une société qui a été créée par Séverine Gévigné, qui œuvre depuis longtemps pour l'écologie, qui a décidé en fait de créer tout simplement des recettes, des DIY, des packs et des flacons où dessus vous avez vos recettes écologiques, etc. Et comment trouver justement des solutions alternatives pour le ménage écologique. Donc je la suis depuis le début de ma chaîne. Je vous ai d'ailleurs présenté une de ces box au tout début de l'ouverture de ma chaîne puisque je vous présentais la box de la Gallipoli Fabrique. Et quand j'ai vu qu'elle faisait cette opération, du coup je les ai contactés pour en savoir un petit peu plus. Et comme vous le savez, ma chaîne pas essentiellement de produits écologiques, de vous sensibiliser pour vous montrer qu'il existe d'autres alternatives que des produits toxiques qui sont déjà nocifs pour l'environnement, nocifs pour notre santé, mais aussi pour notre portefeuille, etc. Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions beaucoup plus simples et faciles. J'avais envie vraiment, du coup, de vous faire partager cette action. Alors, j'ai essayé de recréer une petite scénette caricaturé, on va dire, pour un petit peu retraduire ce que pensent les personnes qui ne sont pas convaincues, qui n'ont pas encore envie de se lancer dans ce mouvement de ménage écologique, et les diverses en fait excuses entre guillemets qu'on pourrait vous sortir, ce manque de temps, que c'est trop compliqué, etc. Donc je vous ai fait une petite mise en scène un petit peu rigolote pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Donc c'est parti, je reviens de suite après. Les produits écologiques, à l'époque, moi j'ai pas le temps, franchement, je vais pas m'amuser à fabriquer les produits, j'ai une vie très active, j'ai pas que ça à faire quoi. Une fois par mois? Voire une fois de temps en temps? Ouais, mais même une fois par mois, enfin tu me vois quoi, moi, tous ces noms chimiques et tout, faut être scientifique, j'y comprends rien. Je pense qu'à un moment donné, si on a inventé les scientifiques, on a des industries pour faire nos produits. C'est que il faut s'y connaître, on peut pas faire n'importe quoi, et puis moi je vais pas m'amuser à chercher toutes les formules sur internet, à lire tous les livres pour fabriquer ma lessive. Alors moi j'achète, c'est très bien, c'est tout prêt, et je ne m'inquiétine pas, en plus ça sent bon, parce que franchement les produits écologiques, le vinaigre blanc, hein, je te laisse imaginer l'odeur, moi chez moi j'ai pas envie qu'on me dise que ça pue, et je veux que ça me désinfecte les bactéries quoi, enfin, je veux vraiment que ça élimine les bactéries, parce que je suis pas convaincue de l'efficacité de l'élimination des bactéries. Et puis tu sais, je pense qu'en ce moment c'est une mode, c'est une tendance. Voilà, on est vegan, on est cruelty free, on est un produit écologique. Donc je trouve que ça sert à rien, puis l'environnement, et puis on verra dans quelques années, moi j'y serai plus. Ouais, je suis égoïste, mais bon. Putain, aujourd'hui je suis bien, j'y conçue, je vais pas m'emmerder la vie, puis en fait faire les autres. C'est rentable, c'est rentable. T'achètes un truc, t'achètes un autre, t'achètes un autre, t'achètes un autre. Finalement, c'est pareil que si t'achetais tous les produits ménagers, quoi. Ah, à long terme. Ouais, mais bon. Je t'ai dit, j'ai pas mis un kitinet. Donc voilà, comme vous l'aurez vu, cette scénette, j'ai essayé un petit peu de résumer les problématiques que l'on peut rencontrer face à des personnes qui sont vraiment qui ne sont pas encore convaincus, qu'on n'arrive pas à sensibiliser par les paroles et par des arguments divers. Donc aujourd'hui, l'opération propose du coup d'agir en collant tout simplement des étiquettes que vous voyez juste ici. Ce sont des étiquettes avec la recette directement proposée pour éliminer le produit toxique en question. Donc il suffit tout simplement de coller ces étiquettes sur le produit toxique à éliminer dans votre environnement, votre famille, vos amis, le travail, où vous voulez, pour que justement les personnes puissent prendre conscience qu'il existe d'autres recettes et ils ne pourront plus trouver l'excuse qu'ils ne l'ont pas puisqu'elle est inscrite sur le flacon. Alors n'hésitez pas à me partager vos photos sur mon compte Instagram, mais également sur le hashtag balance tes produits toxiques pour que l'on puisse voir vos actions. Il suffit de commander le kit sur le site de la
la Gallipoli Fabrique et de les contacter. Vous les avez gratuitement avec toute commande. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, et partagez cette vidéo parce qu'il est important qu'aujourd'hui les mentalités changent et qu'on sensibilise un peu plus de monde.